Moseka de Malheur Moderne vous dit bonjour. Balandi émission Moseka Malheur Moderne, Mbotenabino. Bonjour, bonjour, chers abonnés. Voilà, c'est le moment de notre recette. Aujourd'hui, je vous propose les tripes à la sauce blanche congolaise. Alors, qu'est-ce qu'une sauce blanche à la congolaise? C'est une sauce qui ne contient pas de tomates, donc c'est cuit dans un jus. Ça reste, on va dire, quand même pas blanc, mais ça reste avec une couleur neutre. Et c'est le contraire complètement de la vraie sauce blanche ou de la sauce blanche à l'européenne qui, elle, contient de la farine, du lait. Et nous, au Congo, nous avons notre propre sauce blanche. Donc, et il y a un ingrédient qu'on retrouve souvent dans la sauce blanche à la congolaise, c'est l'aubergine, qui a pour rôle d'épaissir la sauce. Voilà. Si vous ne le savez pas, l'aubergine est un épaississant infaillible. Si un jour vous ratez une sauce, vous cuisez de l'aubergine au four ou à la vapeur, vous le réduisez en purée et vous rajoutez ça à votre sauce, vous m'en donnerez des nouvelles. Donc maintenant, nous allons procéder à la découpe des légumes. Et comme aujourd'hui j'ai l'intention d'utiliser l'aubergine comme épaississant, je vais vous montrer ma technique. Voilà, je découpe les légumes et je reviens. Alors, pour les ingrédients, je vais vous citer un par un ce que nous allons utiliser. Premièrement, les tripes préalablement bouillies avec un assaisonnement de votre choix. Ça doit être déjà bien salé et le goût doit y être. Vous aurez besoin d'un piment, c'est facultatif si vous n'aimez. Aujourd'hui, j'ai décidé d'assaisonner avec ce mélange poireau, ail, réserve de mon congélateur, une branche de céleri, une aubergine, un oignon, un poivron rouge, un poivron vert, du sel. J'ai utilisé aujourd'hui le sel marin Noirmoutier. C'est un sel gris qui a un très très bon goût. Voir ma vidéo, mon choix de sel. Ensuite, de l'huile de maïs. On peut prendre l'huile de son choix. C'est tout pour les ingrédients. Nous allons passer à la découpe des légumes. Et ensuite, on passera à la préparation. Voilà, donc je suis de retour. J'ai fait mes petites découpes. Donc, je vais vous montrer. Nous avons nos oignons émincés. Voilà. Nous avons poivron rouge, poivron vert coupé. Et pour les aubergines, c'est assez particulier. J'ai épluché une ligne sur deux. Voilà, donc je voulais un peu parler de ces aubergines. Je vais les utiliser pour épaissir la sauce. Parce que j'ai envie d'une sauce pas trop liquide quand même. Donc je vais vous expliquer. Les aubergines, si elles sont bio, c'est-à-dire que si vous êtes sûr de la provenance et qu'il n'y a pas de pesticides ou d'engrais chimiques ou quoi qu'est-ce dessus, mangez avec la peau. Ici, mes aubergines sont bio, mais j'ai enlevé une partie de la peau pour une question d'esthétique. Donc en cuisine, il y a plusieurs paramètres qui jouent. Il y a les paramètres nutrition et le facteur esthétique. J'ai pas envie que ma sauce soit trop foncée. C'est pour ça que j'ai enlevé une partie. Voilà, j'ai laissé des gros morceaux. Je vais mettre ça dans la sauce, comme ça me servira aussi de baromètre. Quand je verrai que les aubergines sont ramollies, je saurai que c'est prêt. Voilà. Donc ça, c'était pour la découpe de mes légumes. Et là, on a nos tripes qui ont été préalablement bouillies, salées, avec du goût. C'est un bouillon. Voilà, donc on va passer au reste de la préparation. On se revoit pour la cuisson. Voilà, donc on a mis un peu d'huile. Et là maintenant, on va commencer notre prépa. Il y a de l'huile, je vous montre. Ok. Je n'aime pas quand c'est trop chauffé.
On va mettre les oignons. Ensuite, on apporte notre assaisonnement, poireau, ail. On va saler tout ça. Parce que les oignons, ça s'assaisonne aussi. Hein. Vous pouvez même, pour certaines préparations, mettre sur vos oignons un peu d'ail, un peu de noix de muscade, vous laissez un petit peu prendre et seulement vous cuisez. C'est vraiment top. Donc ici, on aurait pu mettre des jeunes oignons, on aurait pu mettre beaucoup de choses. Mais là, j'ai pas grand chose. J'avais ma branche de céleri que je vais couper, j'ai oublié de la couper. Et ensuite, je vais l'ajouter. Voilà, je la coupe directement. Mais il ne me reste plus d'oignons nouveaux. J'ai fait beaucoup de préparation aujourd'hui. Voilà, là, je suis en train de couper mes branches de céleri. Voilà, donc je coupe mon céleri. Je suis en train de couper mon céleri que je vais incorporer au reste. Voilà, ça prend bien ça, l'ail. Ajouter les poivrons. Oh, j'ai fait. Je rajoute du sel. Ensuite, je vais d'abord faire une première cuisson de mes légumes. Je dépose ça. Je mets un peu de bouillon. Je ferme, je couvre. Je vais attendre d'abord que la première cuisson se fasse. Parce que si je mets mes tripes maintenant, ma casserole sera trop petite. Il faut qu'une partie des légumes réduise. Voilà, donc on laisse cuire. Voilà, on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Voilà, donc les aubergines, ça continue à cuire, ça a un petit peu réduit. Je vais maintenant ajouter les maboumous. Dans mon jus de cuisson, en fait, quand je fais mon bouillon, je mets des carottes. C'est pour ça que vous voyez des carottes. Donc,
Ne soyez pas choqués. Ça apporte un bon goût au bouillon. Il se peut que des carottes tombent dedans. Il n'y a rien de mauvais à ça. Alors on va le mettre. Hein. Je mets tout. Voilà. Donc là, j'ai tout mis. On va laisser cuire. Et au moment où les aubergines vont être bien cuites, je vais les retirer. Je vais les mixer et je vais les réincorporer. Voilà. Si vous n'aimez pas les carottes, vous les enlevez. Ça fait partie du bouillon en fait. Le jus dans lequel les maboumons cuits contenait les éléments d'un bouillon. Voilà, on va couvrir et laisser mijoter tranquillement. On reviendra pour la suite des événements. Voilà, maintenant que nos aubergines sont bien cuites, on va les retirer. C'est pour ça que j'avais fait ça en gros morceaux, pour pouvoir les retrouver facilement. Voilà. Vous voyez ? On les retire. Et on va créer un épaississant naturel. Pour avoir une sauce juste un peu plus épaisse. Il y en a qui aiment plus épais pour pouvoir manger avec autre chose que du foufou. Par exemple, si on veut le manger avec du riz, il faudrait que la sauce soit quand même un peu plus épaisse. Donc on va mixer et puis on revient. Entre temps, je vais mettre mon piment. Voilà, je recouvre, je mixe et je reviens. On va mettre nos aubergines mixées. Comme ça, on aura une sauce un peu moins liquide que ça. C'est selon son goût. Hein. Si vous voulez plus liquide, vous ne mixez pas. Mais c'était dans le but de montrer une technique. Parfois, les gens m'écrivent, tiens, ma sauce est trop liquide. Même une sauce tomate. Hein. N'importe quoi, vous pouvez épaissir. Vous ratez un plat, même des madès, ils sont ratés, bimi, maï, maï, oh, à la nage. Au salika, système O. Ni vu ni connu. Comprendre. C'est mieux ça que de la fécule. Hein. C'est naturel. Donc, oh, péana quoi, maman n'angaï. Sois mon trop. Voilà, ça va juste épaissir naturellement. C'est ça l'astuce, quoi. Voilà. Et vous voyez, le fait d'avoir enlevé la peau une fois sur deux ne nous donne pas une sauce. Foncé. Voilà. Ça, c'était pour gagner un peu d'épaisseur. Na kwang et lingakamwa. Hein? Texture. La texture. Donc, voilà. Ah non, la ksabino wa technique nanga. Il m'a bête au malam. Ah. Et comment est-ce que tu as été au salari boué poanin? So, salari boué te. Limbisa. Nan salari boué. Quand je veux épaissir. C'est une des techniques les plus naturelles. Voilà. Maintenant, on n'a plus qu'à laisser mijoter tranquillement. Et on reviendra pour la dégustation. Je vous remontre hein, de plus près. Regardez-moi cette texture. Sauce blanche à la congolaise. Voilà, donc c'est prêt. Nos tripes à la sauce blanche congolaise sont prêtes. Et nous allons passer à la présentation de l'assiette. Voilà,
Notre assiette de tripes à la sauce blanche congolaise est prête. Ça va être mangé avec la boule nationale, c'est-à-dire le foufou. Ça, c'est ce qu'on aime chez nous en République démocratique du Congo. Vous voyez le drapeau? Bendele Koyate. Voilà, à chacun ses spécialités. Voilà. L'émission Moseka de Malheur Moderne vous dit au revoir. Très heureux de vous retrouver très nombreux, le fidèle qui prend l'émission Moseka de Malewa Moderne. Up the wind, the clouds break, the shadow.